Moi, je m'appelle Noëlla, j'ai 24 ans. Je fais un double diplôme architecte-ingénieur au sein de l'École d'architecture de Nantes et au sein de l'École centrale de Nantes. Là, je suis en troisième année. Je fais l'option Cité et en option professionnelle, en option Impact. L'option Impact, elle se tourne vers le monde du numérique dans les domaines de l'art, du patrimoine et la culture. Et en fait, elle consiste à rencontrer plusieurs intervenants. À côté de cela, on a un projet qu'on effectue en collaboration avec des organismes liés, comme je disais, à l'art, patrimoine et culture, et sur lequel on est évolué en fin de semestre. L'option est très riche parce que les intervenants sont très différents, c'est-à-dire leurs métiers sont très diversifiés. Donc ça nous permet, nous en tant qu'étudiants dans cette option, d'explorer toutes les possibilités, c'est-à-dire à la suite de notre parcours. Ça nous permet aussi de nous mettre en contact avec ces acteurs-là, notamment pour les recherches de stage, pour les projets professionnels. C'est une option qui allie compétences techniques et compétences artistiques et moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, vu mon parcours architecte-ingénieur. J'ai choisi Centrale Nantes pour le double diplôme architecte-ingénieur tout d'abord et aussi parce que je me projette dans des métiers dans le secteur du bâtiment, de l'urbanisme et de la transition écologique. Et je sais que l'École Centrale de Nantes est axée sur ce domaine-là. Je retourne en école d'architecture pour effectuer mon projet de fin d'études et par la suite je vais finir par mon TFE, c'est-à-dire mon stage de fin d'études au sein de l'École centrale de Nantes. J'espère à travers l'option Impact trouver un stage qui va me permettre de m'épanouir et de trouver un domaine qui me permet d'allier technique, art et culture et patrimoine.